Si le prince Harry a fait de nombreuses révélations dans ses mémoires, Le Suppléant, paru ce mardi 10 janvier, il a aussi choisi de porter des accusations envers son frère, le prince William, à qui il reproche notamment d'avoir eu des mots blessants contre sa femme Meghan Markle, mais aussi envers sa belle-sœur Kate Middleton avec la fameuse affaire de la robe de demoiselle d'honneur ou son père qui l'a carrément accusé de mentir. Mais le Sunday Express a rapporté ce 15 janvier l'étonnement de certains experts royaux sur un incident non mentionné par le duc de Sussex dans les 400 pages de son livre. Un incident qui aurait pu le conduire en prison. En effet, le papa d'Archie et de Lilibet a été interrogé par la police. Il était même devenu suspect dans le cadre d'une enquête sur l'abattage de deux oiseaux parmi les plus rares de Grande-Bretagne. En octobre 2007, deux busards Saint-Martin, une espèce protégée et en voie de disparition, avaient été abattus sur le domaine de la reine Elisabeth II à Sandringham, dans le Norfolk. Un mystère non résolu à l'époque, trois témoins, deux ornithologues et un gardien d'une réserve naturelle voisine, avaient déclaré avoir vu les oiseaux abattus en plein vol. Le prince Harry, un ami proche et un garde-chasse avaient été les seuls à tirer ce soir-là. Tuer ces oiseaux protégés est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois. Durant son interrogatoire, le cadet du roi Charles III avait nié avec véhémence les avoir vus ou tués, a relaté le journal. Les recherches menées par la police n'avaient pas permis de retrouver les oiseaux. Aucune charge n'avait donc été retenue et l'affaire avait été classée. Le prince Harry n'a mentionné à aucun moment ses démêlés avec la police de Norfolk dans ses mémoires. Cette histoire avait, elle, été abordée dans une émission sur Channel 5. La journaliste Emily Andrews avait expliqué dans le programme, le CPS, Service des poursuites judiciaires de la Couronne, note de la rédaction, n'avait pas assez de preuves pour inculper Harry et, à ce jour, personne ne sait qui est responsable du meurtre de ces deux oiseaux. Le prince Harry a indiqué avoir coupé de nombreux passages de son livre, peut-être que ce moment en faisait-il partie. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.